Donc je m'appelle Charlotte, je suis ici parce qu'en fait j'avais envie de soutenir les journées globales de mobilisation qui ont lieu aujourd'hui, donc avec les Indignés et aussi le 15 mai, donc c'est l'anniversaire du mouvement des Indignés. Bon, en France on a quand même un peu de mal avec tout ça vu que cette année c'était un peu, enfin les mouvements sociaux ont été un peu bousillés par les élections. Qui sont importantes et tout, mais selon moi c'est pas ça la chose la plus importante, c'est de rester mobilisé pour les différentes luttes, pour que nos droits ne soient plus bousillés comme ils le sont, pas seulement en France mais dans le monde entier. Donc voilà, ça c'était c'est ma motivation en tant que militante pour différents types de droits. Comme le droit au logement, le droit à l'éducation, etc. Et alors la banderole que tu verras peut-être si tu fais le tour, c'est une banderole qu'on a fait pour soutenir. En fait, j'habitais au Chili avant, voilà, très proche du Chili. Et notre banderole dit Aguante Cabros et c'est pour soutenir la lutte des étudiants au Chili. Donc depuis un peu plus d'un an maintenant, il y a vraiment des grandes manifs au Chili pour lutter contre le modèle néolibéral d'éducation et en général le système qui est néolibéral, qui est assez redoutable au Chili, complètement tout est privatisé et donc il y a énormément d'étudiants depuis un an qui sont dans la rue, qui se font réprimer de manière ultra violente et la communauté chilienne et les gens qui avaient envie de soutenir un peu ces manifestations dans lesquelles on était en 2011. Vu que je suis arrivée il n'y a pas longtemps en France, c'était un peu continuer la mobilisation et la soutenir depuis l'étranger pour montrer que en fait les causes des je peux parler une heure hein, donc tu m'interromps hein. Les causes des tous les problèmes dont on souffre, c'est les mêmes, que ce soit au Chili, en France, en Espagne, en Afrique, etc. Et c'est le système capitaliste dans sa phase néolibérale. Voilà. Et donc le 12M, c'est un peu la convergence des luttes ici. Ouais, c'est la convergence des luttes. Il y a différents types de slogans, de langues et de revendications. Et c'est ça qui me semble à la fois super intéressant et assez difficile à construire. Et je pense que c'est pour ça aussi que le mouvement indigné prend pas trop en France. Mais je pense qu'il y a d'autres formes aussi de se mobiliser. J'espère qu'en France, on va connaître un printemps social. J'ai vu sur une affiche, il y avait marqué le 3e tour social. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas faire une grosse manif à la Bastille parce que voilà, on est content, etc. Moi, je suis super contente que Sarkozy ait dégagé, qu'on l'ait dégagé. Après, ça fait absolument pas tout. Les gouvernements socialistes, on a vu les dégâts qu'ils ont fait, notamment en Espagne, en sachant que c'est pas que leur faute, que ça venait des gouvernements conservateurs antérieurs. Mais quand même, je pense qu'il faut qu'on soit super vigilant, notamment sur les politiques d'austérité et en général le matraquage que la population ressent. Alors après la défaite de Nicolas Sarkozy, on espère une alternative politique réelle et pas seulement l'application de la même politique light, disons. Le programme de François Hollande est un programme productiviste qui vise à créer de la croissance, c'est-à-dire à produire plus et à consommer plus, au risque de continuer à bousiller la planète et de continuer à accroître les inégalités. On est contre ce modèle de développement, dont on est indigné par rapport à tous les problèmes qu'il engendre. Et donc on vient ici pour dire qu'on s'y oppose. Voilà. Tu voudrais ajouter quelque chose ? Déjà, on est surtout ici par... déjà, pour nous, c'est un devoir démocratique, quoi. C'est par souci de la démocratie qu'on est d'abord venu au rassemblement des indignés. Vous avez le sentiment de vivre en démocratie ? On peut dire oui et non, parce que... Après, voilà, comparé à certains pays, beaucoup disent que voilà, c'est plus souple, on peut plus ou moins faire ce qu'on veut. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que pas mal de libertés sont assez restreintes. Oui, moi je dirais qu'on vit un peu en demi-démocratie. Il y a des élections, on a le droit de s'exprimer, donc on va pas s'en plaindre évidemment. Sauf que ce sont toujours, à peu près toujours les mêmes qui s'expriment. Oui. Et le fait que le pouvoir soit très présidentialisé par exemple est un gros obstacle à la démocratie, qui soit très centralisé aussi. On est pour une transformation des pratiques politiques. Voilà. La France pourrait être une vraie démocratie à condition que les citoyens agissent sans conséquence. Vous me parliez d'agriculture et de critique de l'agriculture productiviste actuelle, si vous pouvez développer ce point. Oui, alors sur l'agriculture, effectivement, ça répartit ce qu'on disait sur le productivisme. On est aujourd'hui dans un modèle qui encourage à produire le plus possible en faisant appel à des engrais, à des pesticides qui sont nocifs pour les agriculteurs et pour les consommateurs et pour les populations environnantes. On continue à exporter à bas prix dans des pays du tiers-monde, ce qui contribue à casser leur agriculture à eux, à l'empêcher de se développer. On est pour une transformation de l'agriculture européenne et mondiale, pour plus de souveraineté alimentaire dans chaque pays, pour une agriculture peut-être un peu moins productive, mais moins nocive aussi pour l'environnement, pour les producteurs et les consommateurs. Je suis le mouvement depuis le départ, à Bastille en mai dernier, et de façon logique je suis là pour la journée mondiale, la deuxième journée mondiale de ce mouvement, qui pour moi a plutôt comme appellation la démocratie réelle maintenant, qu'on pourrait dire tout court la démocratie, ça me suffirait en fait. Voilà le terme indigné, je fais partie des gens qui le critiquent depuis le départ parce qu'il ne veut rien dire, il ne représente pas ce qu'on fait ici. Voilà, dans ce qu'on fait ici, et c'est ce qui me plaît dans cette journée, c'est les gens juste se regroupent par thématique, font des assemblées, discutent ensemble, et après que des gens aient proposé des choses, on essaye de décider collectivement. Là encore, simplement, on fait de la politique. Donc c'est un mouvement qui a pour vocation de rendre les gens citoyens et le sortir de ce qu'on est dans le monde qu'on partage tous aujourd'hui, c'est-à-dire des consommateurs avec plus ou moins d'argent, de pouvoir d'achat, mais aucun pouvoir politique bien entendu. Donc voilà, moi je participe plus concrètement à ce mouvement du côté musical, j'ai une guitare dans le dos là, et alors chacun, après ce mouvement, ses petits travers, c'est que comme il critique un peu le fondement de nos sociétés actuelles, c'est-à-dire la démocratie représentative, qui à notre sens ne représente personne, voilà, ou mal les gens, on essaye donc de changer un peu les choses en profondeur, donc c'est difficile, donc on est des fois un peu caricatural, mais comment dire, caricatural dans le sens où, pour moi, l'horizontalité absolue et le côté aucun leader, et pour moi c'est une utopie qui n'est pas réaliste dans la vie. Mais ce qui serait mieux et ce que ça veut dire, et vers quoi moi j'essaie de tendre avec les autres, c'est plutôt qu'on établisse des fonctions précises et que les gens se relaient pour les remplir, ces fonctions, et dans le temps quoi, qu'il n'y ait pas des professionnels de la politique, puisque la politique ça concerne tout le monde. Voilà. Donc moi d'ailleurs, ça fait un an que j'ai participé, et pour être fidèle à cette idée, je vais m'arrêter là, activement, et je serai juste solidaire de ce mouvement quand il y aura des manifestations de ce genre. Je pense que ce mouvement ne fait que démarrer au bout d'un an. Voilà. Qu'il a les ambitions un petit peu de ce qu'a pu être la commune, avec bien sûr un côté peut-être ça paraît beaucoup moins palpable parce qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de voilà, c'est pas encore l'histoire, mais il tente de faire ça, et quelque part en fait il existe depuis un an, et pas donc au départ en Espagne et puis après dans beaucoup d'endroits, et voilà, donc malgré tout son côté souvent comique et parfois malheureux sur des choses, respect pour la longévité et la tentative de profondeur d'approche sur la démocratie. Voilà. Si tu peux expliquer le sens justement de cette journée mondiale. Le sens de cette journée mondiale, c'est pour le coup justement de sensibiliser les gens à cette question et à cette participation de la vie démocratique telle que nous on la pratique, avec l'argument qu'effectivement ça ne se passe pas que dans un pays, mais dans beaucoup d'endroits, voilà. Et ça peut être quand même un argument qui sensibilise certaines personnes qui seraient pas séduits par le fait qu'on est peu nombreux en France. Ça je le reconnais, et je pense pour deux raisons principales. Grande 1 parce que les gens sont pas encore assez mal dans leurs finances, et grande 2 parce que la police française est très douée pour tuer les mouvements dans l'œuf, surtout ceux qui mettent en cause voilà, le pouvoir établi. Donc je m'appelle Mathieu Dailly, j'ai été journaliste en formation au CFPJ qui est derrière, pas loin, et également j'ai travaillé chez M6, j'en suis pas particulièrement fier. Donc j'ai découvert le mouvement des Indignés à travers un petit livre, le petit livre de Stéphane Hessel. À l'époque, les Indignés n'étaient pas ce qu'ils sont. J'ai sympathisé, enfin j'ai trouvé les idées cohérentes, enfin le constat cohérent avec ce que je ressentais. Donc je me suis mêlé au groupe, j'étais là le 29 mai, donc pour moi c'est le point de départ, le 29 mai 2011 à la Bastille, pour le mouvement des Indignés. Malheureusement ça s'est mal fini, on a été évacués, etc. Et ça reste un traumatisme pour moi de découvrir que dans notre pays, se rassembler pour discuter est considéré comme interdit, alors que tant qu'il n'y a pas de nuisance sur l'espace public, on est supposé pouvoir s'assembler dans la paix pour discuter. D'ailleurs, c'est l'agora publique, c'est un principe qui existe depuis longtemps. Donc voilà, mais les indignés, comment les résumer en un mot? Justement, on participait à un atelier de travail là, pour médias, pour essayer de rassembler des idées, comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour faire que les gens communiquent entre eux. Et surtout, on va aborder la question, comment permettre à tous d'accéder à ces nouvelles technologies, parce que ça reste quelque chose d'extrêmement élitiste. Il y a d'autres idées évoquées, mais je vous invite à venir aux prochaines assemblées des Indignés, puisqu'on va bientôt fêter, on fête le début du mouvement, donc dans plus de 60 pays, j'ai cru entendre. Il faut que chacun apprenne à s'exprimer par lui-même, il faut que chacun apprenne à utiliser les médias à bon escient, à surtout à ne pas se laisser piéger par la désinformation, qui est justement le pendant inverse de cette révolution qu'on vit avec Internet et les nouveaux médias. C'est que la désinformation est tout aussi puissante que l'information. Et je reste convaincu qu'on peut faire de l'information sans être journaliste. Et je veux juste rappeler que certainement sur cette même place, il y a un siècle ou plusieurs siècles de cela, et encore aujourd'hui, le premier journaliste, c'est le crieur. C'est le mec qui se met sur, enfin en tout cas, le journaliste, celui qui tentait de véhiculer une partie des informations, et souvent elles étaient erronées malheureusement, mais je veux dire se mettre sur une caisse de bois, se mettre à hauteur de la foule et haranguer la foule. Bien sûr, ça a quelque chose d'assez propaganda, je dirais. Mais c'est aussi ça, d'essayer d'informer, en tout cas de véhiculer des messages. Ça ressemble plus à de la communication, mais il en faut. Et d'ailleurs, je suis désolé, je vais loin, mais le journalisme, on a tendance à vouloir le rendre objectif. Et d'ailleurs, il faut tenter d'approcher une certaine objectivité, mais il n'y a pas une vérité, il y en a des multitudes. Et je crois que justement les journalistes engagés ont leur place, les communicants engagés ont leur place. C'est qu'une histoire d'être honnête vis-à-vis de son interlocuteur, cohérent dans ses propos, tenter d'y croire, c'est pas toujours facile, et voilà.